Je m'appelle Bibouac Jimmy, je suis chef de cuisine à Aux Épices. On pratique une cuisine fine, à base, essentiellement à base de produits du terroir. Donc on va préparer une aiguillette de bonite à la crème de curcuma. Alors il faut savoir que bon, la bonite c'est un peu comme un petit thon. Hein. C'est quoi que c'est pas un poisson qui est facile à cuisiner parce qu'à la cuisson il est assez sec. Sublimer, le présenter autrement m'a donné un meilleur résultat, même au niveau des clients, ils ont vachement apprécié parce que bon, c'est vrai qu'on enlève les arêtes, on présente juste les filets. Bon, la crème de curcuma, c'est vrai que le curcuma, c'est un pansement gastrique. C'est aussi un antioxydant. Donc, c'est vrai que c'est associé le poisson qui est énergétique et aussi le curcuma qui est pansement gastrique pour donner un bon esprit justement à la recette. L'alliance, en fait, c'était pour créer le plat réunion, c'est-à-dire la sauce qui vient du curry. Du curry, la base curcuma, tomate, gingembre, combava, et la bonite qui vient des Antilles. Comme mon épouse est réunionnaise, donc c'est vrai que ça c'est pour le clin d'œil, la petite touche. Voilà. Mon regard sur la cuisine antillaise, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Hein. C'est déjà travailler aussi en relation avec tous les gros, les petits producteurs qui sont là justement pour valoriser le patrimoine à travers les fruits et des légumes qui sont un peu perdus, on va dire oubliés. C'est vrai que le dressage est très important parce qu'avant tout, on mange avec les yeux. Donc c'est pour moi c'est sublimer un repas parce qu'on peut cuisiner, tout le monde peut cuisiner, mais c'est vrai que la présentation doit compter pour beaucoup. C'est ce qui nous donne envie de manger. Après il faut sentir son plat aussi parce qu'on a tous les épices, le mélange d'épices, ce que le cuisinier a voulu transmettre. Ça se passe par la vue, par l'odeur et ensuite par le goût.